qui s'implique pour l'habitation et la gestion des hôpitaux en Afrique. Bon, notre projet en soi vise deux objectifs. Premièrement, améliorer l'accessibilité et la qualité des services de soins en Afrique et aider maintenant les décideurs à mieux affecter les ressources dans ce secteur. Nous avons constaté que l'Afrique souffre de deux grands problèmes. Une mortalité infantile et maternelle très élevée et le fait que la population n'a pas souvent accès aux services de soins de santé malgré la disponibilité du personnel et parfois des ressources. Donc nous proposons ici une plateforme, un service, un site électronique qui permettra à tous les membres de la population de pouvoir noter les soins lorsqu'ils partent dans les hôpitaux de santé. Et ce même service permettra de constituer des index de qualité pour les hôpitaux et dont la population choisira en fait, choisira son fournisseur de soins en fonction de l'index de qualité. Si nous recevons un prix, par exemple, aujourd'hui, nous allons acheter un serveur pour la phase pilote de ce projet. Et ce prix va inciter l'Université de Sherbrooke à nous ouvrir deux autres fonds. Le fonds pour le soutien aux projets internationaux et le fonds pour la réalisation des études. Donc, notre projet va se dérouler dans cinq pays et qui couvrira une population de 160 millions d'habitants. Pour l'instant, nous avons pris contact avec les ministères de la Santé de ces cinq pays. Nous avons fait une demande de fonds de 20 000 $ au CFI.